Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de samedi, bien évidemment, le week-end de l'épiphanie. Il faut fêter les rois, les amis, c'est très très important pour soi-même, pour déclencher quelque chose de positif, voyez-vous, avec votre voisinage, vos amis, vos familles et compagnie. Si vous pouvez le faire, faites-le, même si c'est avec un voisin que vous ne connaissez pas, on ne sait jamais, ça peut être le grand amour, voyez-vous. Enfin, voilà, donc nous allons voir aujourd'hui février 2024. Écoutez, on va essayer de se projeter dans ces énergies-là et voir ensemble qu'est-ce qui va se passer. Avant toute chose, je voudrais vous signaler, donc dans la barre de description de la vidéo, vous aurez les coordonnées d'Anne Cuellar. Je rappelle qu'Anne Cuellar est très, enfin pour moi, hein, alors elle nous a sorti de la panade avec mon mari, puis d'autres amis et voisinages en termes de magnétisme, bien évidemment, mais elle est aussi exorciste. Elle sait couper les liens avec les autres personnes, elle fait des bracelets, vous voyez, le mien ne me quitte jamais, elle fait des poupées de recentrage pour que les gens puissent se recentrer en paix. Enfin, c'est une femme de très très grande qualité, donc en dessous de la vidéo, si vous cliquez sur plus, vous verrez son adresse et son télé, pas son adresse, mais son numéro de téléphone apparaîtra et vous pourrez la contacter parce que là, c'est du très haut de gamme. Voilà. Alors voilà les amis, qu'est-ce qui va se passer courant 2024 au mois de février? Et puis merci pour hier pour la chaîne Chris Sinclair Show. Vraiment c'était très agréable, tous vos petits commentaires toujours tout aussi charmants. Alors, merci pour les pouces bleus, les likes, le partage, les abonnements. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient sur la chaîne. Donc ici, nous avons les cartes majeures. J'adore travailler avec le tarot. Ou alors, il y a un oracle que je kiffe grave, c'est l'Agnès Tarot, avec lequel je travaille de temps en temps quand j'en ai besoin. Donc ici, nous avons les cartes mineures, donc cartes majeures, cartes mineures. Voilà, pour moi, enfin, j'adore le tarot perso, enfin, tous les, il y a des tarots qui me parlent et puis d'autres qui ne me parlent pas, que j'utiliserai jamais, puis d'autres que j'utiliserai. Alors celui-ci, regardez, les amis, c'est à la collection Le Lotus et l'éléphant, tarot de Marseille par Kevan, et je remercie Martine Seigneur de me l'avoir fait parvenir il y a quelque temps déjà. Martine m'a envoyé un autre message, je lui répondrai gentiment, parce que c'est très agréable. Voilà, c'est une personne qui est vraiment très très agréable. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Donc là, je prends deux cartes majeures concernant le mois de février 2024. Là, c'est la première quinzaine, deuxième quinzaine en dessous, hein, les amis. Voilà, j'espère que vous êtes bien dans vos baskets. Alors, en ce moment, ça va un peu tout azimut chez nous parce qu'on est en train de faire tous les travaux, vous savez, les amis, pour la sécurité de la maison. Donc, caméra, la totale, donc, remarquez tant mieux. Avec tout ce qu'on voit, il vaut mieux se protéger. Donc, je vous dirai si je suis contente, mais c'est une société locale ici qui travaille avec la police en direct. Donc, c'est fort bien. Vous savez, c'est un conseil que je vous donne. Si vous pouvez le faire, faites-vous protéger, les amis, hein. Au moins un bouton de sécurité, au moins quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Donc, dites-moi, concernant février 2024, quelles seront les énergies? Qu'est-ce qui va se produire en février 2024? Très important, parce qu'on rentre dans le boxon, hein, bon.
On a compris que la France devait disparaître à leurs yeux, hein, c'est ce qu'ils veulent faire. Et ben voilà, ça partirait à la castagne. Il y a des nappes ou un zizi qui sont en train de se révéler de plus en plus. Voilà, donc il va y avoir des procédures et je pense qu'il y aura des échanges de pompons, d'accord, ou de règlements dits de compte. N'importe où, n'importe comment. Enfin, chez nous, il y a. Alors, je suis pas pour la chasse, hein. Chacun voit son truc. Sylvain, je sais qu'il écoute mes vidéos. Sylvain, j'ai rien dit. Voilà, c'est. On est au milieu des chasseurs, alors il faut pas venir nous embêter. Ça, c'est directos, hein. Ça, c'est clair. En face de chez moi, j'ai un policier, j'ai l'autre, un légionnaire. Donc, c'est parfait, ça me convient. Voilà. Donc, allons-y. Je me rapproche de vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quelque chose qui est en sous-main pour le mois de une prise de décision. Alors là, nous sommes à la peste aux étoiles. Prise de décision concernant le bricaton, hein, bien évidemment. Oh là! Alors écoutez-moi bien, la peste aux étoiles va vouloir au mois de février nous lier bouche cousue et compagnie, c'est ce qu'ils vont vouloir faire, mais il y aura une révolte, une colère immense de la populace, ça je peux vous l'affirmer, suite à une décision complètement contraire à nos intentions chez nous et qui va mettre le boxon de partout où les gens. Alors c'est tout de suite, j'avais vu que déjà fin janvier il y avait déjà des problèmes, mais là ça va s'accentuer bien évidemment parce que la peste aux étoiles, le bricaton, je rejoins quelqu'un qui disait que bricaton veut être le président de la peste aux étoiles, une bonne fois pour toutes, ça c'est sûr, vous avez vu ses vœux, il y avait tous les drapeaux derrière, c'est pas anodin, d'accord? Voilà. Donc pour lui, il va être le chef de tout le monde et compagnie, donc à évacuer pour ceux qui veulent y aller. Vous avez ma permission. Alors qu'est-ce que nous a... Il y a un groupe de financiers, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Internationaux? Blocage, pourquoi? Ah, alors je vous mets en garde et je vais vous dire quelque chose. En fait, ça se précise par rapport à ce que je viens de dire, de quelque chose qu'ils veulent faire au niveau de la peste aux étoiles. Ils veulent interdire la peste aux étoiles, veut interdire à la populace, alors dès février, ils vont en parler, de devenir propriétaire. Donc là, c'est bien une décision des lobes.bi, d'accord, qui veulent nous imposer cela dans nos contrées. C'est pour ça que je dis, et j'arrête pas de répéter, que tout redémarra des villes, villages, régions, d'accord. Tiens, c'est une très bonne chose parce que je dois, le 9 au soir, je dois être avec des élites. Alors ça tombe bien, ça me permettra de poser la question en direct, d'accord. Parce que là, apparemment, ils veulent faire en sorte qu'on puisse plus être du tout propriétaire. Alors, ceux qui sont propriétaires pour l'instant ne sont pas concernés. C'est pour les gens qui voudraient devenir propriétaires. Rupture de communication. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui part en vrille là. Donc c'est la première quinzaine, hein, de février, là j'ai ça. Il y a une rupture dans la communication par rapport à un groupe diabolique, ben le groupe des sinistroses là-haut, hein, vous avez vu le Clément des Labaunes, vous avez vu que, ah mais je vais partir, ah ben non je veux rester, alors que c'est les chefs du wok qui n'ont plus de isme, hein, je veux dire on est là, hein, on est vraiment dans la vrille. Ils sont pas nombreux, ils sont deux, entre 2 et 5% chez les franchouillards, mais ils veulent continuer à nous imposer leur dicta, parce qu'on est vraiment dans une dicta. Et là, ça me dit clairement qu'il y a un refus de communication, une rupture de communication. Non, il va y avoir une rupture de communication avec la population, les amis.
Et là, je peux vous affirmer haut et clair, déjà, de toute façon, les franchouillards se réveillent, ils se rendent bien compte qu'on leur invente des stories, hein. Ils nous le font à l'Instagram ou à la TikTok. Donc, si vous voulez, ça ne marchera plus parce que là, je vois véritablement une rupture totale entre les sinistros et les franchouillards et on ne les croira plus. Le Dharma Lelouch, alors, à l'instant T où je vous parle, il veut quitter là où il est parce qu'il sent très bien que ça sent l'huile, le vinaigre et tout ce qui s'ensuit et que son côté d'être calife à la place du calife va devenir compliqué. D'autre part, il sait très bien que concernant le J.O., ça risque de très mal se passer, donc il ne veut pas être responsable. Évidemment, comme toujours. Voilà, débrouillez-vous, je fous le boxon et débrouillez-vous. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Donc quelque chose qui arrive, 4 de denier. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de l'argent en sous-main qui est donné à Bricaton, hein? De l'argent en sous-main, alors dans un compte, hein, un paradis dit bien blanchi, hein, voilà. Et là, c'est ce qui apparaît. Donc les lopes.bi sont en train d'alimenter le Bricaton à profusion, quelque part dans des îles bien lointaines, d'accord, pour préparer son départ s'il doit. D'accord? Il sent très bien que les énergies montent. Je pense que dans son entourage, on a dû le prévenir déjà que ça risquait, la sauce risquait de monter et il prévoit un sauve-conduit s'il doit. Mais là, alors je vois pas qui s'en va pour l'instant. La seule chose que ça me dit par rapport au mois de février, il y a de l'argent qui circule. Voilà, parce qu'il a beaucoup œuvré pour ses lobes.bi, hein, d'accord, le conseil de DD Fanfan, ce je vous rappelle. Et je pense que là, si vous voulez, ouais, il va être récompensé de pognon. Enfin, il nous prend pour des truffes, hein, il pense qu'on ne voit pas son manège du tout, hein, lui, voilà. Alors, l'Ursulette, dont j'en ai une qui est en bandelette. D'accord, il y a un message qui ne passe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cavalier, d'accord. Il y a un projet, je vous dis, un projet de nous rentrer dans l'art. Hein. Je vous le dis quand même, il y a un projet de nous rentrer dans l'art de la part de Bricaton, je vous l'annonce, d'accord, qui sera ordonné par l'Ursulette. On est bien clair, il y a une communication de l'Ursulette que Bricaton doit nous rentrer dans le popotin, comme il veut, comme on veut, comme il veut, etc., mais de nous imposer des touristes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Après, comment il faut faire? Ben, c'est simple. Ben, je vois que chez nous, ça commence aussi à se rassembler les gens et qu'ils en ont ras-le-bol et compagnie et compagnie. Et même les Dédés PPTT apparemment en ont ras-le-bol du Bricaton et de toute la sauce. Voilà, disons qu'ils vont arriver à l'excès, c'est ce que je vous ai expliqué. Année karmique. Donc, et c'est ça, ils vont tenter. Alors, qu'est-ce que j'ai en communication ici? Donc, il y a déjà un projet. Non, j'ai une assemblée qui ne se produira pas. Donc, ils vont dire qu'ils se sont réunis, mais ils ne se seront pas réunis. Pourquoi? Pour un projet de rupture. Ah non, 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 ils vont nous reparler. Alors là, je vous le dis, pour les gens d'un certain âge ou d'un âge certain, je vous dirais, comme s'ils pouvaient obliger les gens, si vous voulez, à se faire vacciner à partir d'un certain âge. Voilà, de recevoir des potions à partir d'un certain âge. Mais, si vous voulez, ça aura du mal à passer quand même. La communication est là. Ils essayent d'arriver en sous-main, ben, avec tous ces sbires. Ils savent, vous savez, tous les sinistros, ils savent très très bien que leurs heures, ça va très très mal se passer pour eux, tout simplement parce qu'ils veulent imposer des choses au niveau de la peste aux étoiles, au niveau de tous les pays, afin que le monde du bidon arrive avec son tapis rouge et mette le boxon partout, et mette la guéguéguerre de partout, si vous voulez, pour reformater notre belle peste aux étoiles, belle France. Voilà, on va plus se dire comme ça. Voilà. Alors maintenant aussi la grande mode, à partir du moment
Vous ne voulez pas aller dans leur sens. Oui, mais tu comprends pas, tu es rapoiste. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est la nouvelle mode. Franchement, c'est d'un nul. Voilà, on n'est pas d'accord. Ben non, tu dois accepter. Ben non. Et ça, c'est entre 2 et 5% de la population qui nous impose ça. Hein? Les gauches, oh. Voilà. Alors ici, projets qui sont... Oh putain, il y a une inaction. Oh, là, il y a quelque chose qui se passe, les enfants. Hein? Ben janvier, j'avais vu des fin janvier, j'avais vu des trucs qui rebondissaient, mais là, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Je vous dirai aussi, parce que j'ai eu un commentaire en disant, mais Chris, il s'est rien passé au mois de décembre, 120 attaques par jour. Ça vous va? C'est pas rien? Ah voilà, merci. Voilà, colonne, j'avais raison. D'accord? Il y avait aussi quelque chose de prévu pour des points-glises aussi. Donc là, ici, j'ai une inaction. Projet déjoué. D'accord. Ici, qu'est-ce que nous avons? Au mois de février, de toute façon, il n'est pas parti, l'autre pomme. Hein, je vous dis, puisqu'il apparaît à nouveau ici. Il va essayer de s'imposer au niveau des lobbies, si vous voulez, de se mettre au-dessus, de prendre la mêlée et de les imposer à nouveau. Voyez-vous, ils vont essayer de décréter des choses les unes derrière les autres. Je vois chez nous, ils ont tenté de décréter des trucs. J'aime autant vous dire que les gens n'y vont pas. Hein. Voilà, j'ai même découvert, grâce à ma coiffeuse, ma petite Eliane, qui m'a dit comment faire certaines choses. Je ne vais pas vous le dire, hein, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas le droit, vous prenez de gauche. Enfin, vous comprenez, voilà. On vous empêche de vivre, ben vous vivez autrement. Hein, ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit ici? Alors, des ennemis qui sont dans les lobes, point B, bien cachés. D'accord. Bon, alors là, à nouveau, je répète. Alors ça, c'est la deuxième quinzaine de février. Et ils vont vouloir imposer des choses au niveau scolaire. D'accord? Au niveau des gamins, ils vont vouloir les lobes point bi, bien sûr, les woke qui n'ont plus de isme, voyez-vous. Ah oui, il paraît, j'ai une de nos amies qui m'a dit, Chris, ils peuvent venir en jupe, les garçons, s'ils veulent, etc. Après, j'ai rien... Franchement, moi, je suis un peu dépassée par tout ça. Franchement, ça me dépasse. Mais bon, là, à ce niveau-là, et les parents, même s'ils sont pas au courant, on ne le dit pas aux parents. Ben, ils sont mineurs, non? Les parents ont droit d'être au courant. Alors là, je peux vous annoncer qu'au niveau des enfants, les lobes.bi, ouais, pour moi, il va y avoir des écoles qui vont être privatisées. Et où il y aura des lobes.bi comme aux États-Unis, ce sont des écoles privées qui coûtent des fortunes. Voilà, ça va être mis en place. Sur ce, beaucoup de gens seront intéressés, d'ailleurs les écoles privées. Alors moi j'ai été dans une école privée et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu une maman qui a œuvré en ce sens. J'ai toujours reçu une très bonne instruction de leur part. J'ai rien à leur reprocher. Mais là, c'est ce qu'ils risqueraient de mettre en place. C'est-à-dire que pour moi, dans le temps, c'est ce que je vous expliquais, c'est la fin de l'école laïque. Alors, où ça se passera à la maison, vous savez, par le système Internet, hein, tout simplement des cours en ligne, ou alors les gens devront payer. Ben, écoutez, c'est pas moi qui décide, hein. D'accord. Donc, au niveau des familles, tentative de déstabilisation des familles, mais par quel biais, hein? Donc c'est toujours les lobes.bi qui veulent déstabiliser les familles en s'imposant. Ah mais ils n'y arriveront pas. D'accord, les enfants, ils n'y arriveront pas. Donc tout ce qu'ils veulent mettre, alors on est toujours avec Bricaton et compagnie, tout ça parce que les franchouillards vont se remettre. Mon histoire de troc, j'ai raison, les amis. Hein. Mon histoire de troc, j'ai raison parce que on va arriver à ça. Où les gens vont complètement se recentrer dans leur propre vie, propre village, propre quartier, propre ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et ça se met au mois de février. Là, les gens ont compris. Il y a d'autres plaintes hein, contre les potions et compagnie. Hein, il faut être clair sur le sujet. Et c'est comme là, il y a Bill le Gaga, enfin toute la cohorte, le Véreux et compagnie qui se mettent contre le docteur. Didier de Marseille et
Bon, il est en train de les contrecarrer parce qu'il a tout à fait raison. C'est de la manipulation de la part de ses lobes point B. Alors, ici, une action financière, manipulation, communication, je peux vous annoncer qu'il va y avoir deuxième semaine de deuxième quinzaine de février, et il va y avoir une manipulation communication au niveau de la justice qui n'a plus de stis. D'accord? Je peux vous annoncer en vous expliquant, le pacte toujours pas bon, hein, mais en vous expliquant des choses que vous voulez entendre mais qui sont fausses. Donc je vous ai annoncé qu'il y aurait beaucoup de communication dans le mensonge, mais c'est exactement ça. Mais les franchouillards ne se laissent plus faire. Du reste, je vois beaucoup toujours pareil. Alors, ça, c'est tout 2024. Il n'y aura pas de février. C'est beaucoup de luttes entre communautés, je le dis bien, mais aussi les franchouillards qui vont rentrer dans la danse à coups de pompon. Voilà, vous ne direz pas, je ne vous l'ai pas dit. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons, nous? Il y a une action, pourquoi? Excusez-moi. D'accord. Je peux vous annoncer qu'ils vont tenter de mettre des lois en place. Là, ça me parle, vous savez, la dernière loi sur l'IMI, point, point, ration. Eh bien, j'aime autant vous dire que ça ne marchera pas. Parce qu'ils vont, cette loi va être complètement détricotée, d'accord, et ça ne passera plus avec personne. Je vous annonce que ça ira à la maïoche, hein, c'est une certitude, parce qu'on ne saura plus, ni le briquaton, il me fait penser, vous savez, à ces fusées Apollo, ou ce que vous voulez, où il y avait une capsule en haut, ben, il va prendre sa capsule, il va s'envoler tout seul, vous voyez, sans le booster ni rien dessous, parce qu'on n'en voudra plus. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Le chef des pognons, donc vous voyez ce que j'ai, les rôdeurs qui n'ont plus de shield et compagnie, hein, un nouveau projet. Projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? D'accord. C'est assez amusant parce qu'ils vont tenter de nous. Alors, j'ai pas de problème bancaire là, hein. Je vous le dis, puisque c'est un truc, vous allez me poser la question. Est-ce qu'il y aura des problèmes bancaires au mois de février? J'en vois pas. J'en vois pas du tout. De toute façon, ils n'ont même pas intérêt eux-mêmes, si vous analysez bien la situation. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'argent foute le camp, puisqu'ils perdraient tout eux-mêmes. Hein. Ben oui. Vérité de la palisse, hein. D'accord, mais il y a quelque chose de soudain qui arrive. Il y aura une forme d'inaction. C'est-à-dire que les gens vont tellement se. Je pense qu'ils. Alors, ça ne sera pas comme l'âge. Les gens ont appris de ce qui s'était passé, des gilets qui n'avaient pas. Ou qui avaient la jaunisse, si vous voulez. Ils ont vraiment appris avec les flashs pour un bobole, je vous dirais. Donc, ils ont appris, mais ils vont pas. Pour moi, la populace va se mettre en colère, oui, mais beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus ciblée. Alors, les amis, avant que je continue, vous me posez souvent la question pourquoi je ne parle plus d'un tel ou d'un tel personnage. Si j'en parle plus, c'est que ça n'a plus d'intérêt. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est que je sais que ça n'a plus d'intérêt. Même s'ils sont dans le présent, j'en ai peut-être parlé avant, notamment l'année passée peut-être, mais je sais que ça n'a plus d'intérêt parce que la personne est en train de peut-être de partir en vrille. Pas peut-être, d'accord, certainement. Alors, nos ennemis sont bien dans la place. Ils vont tenter de nous, alors vous, de nous manipuler au niveau du pognon, c'est-à-dire nous faire croire qu'ils vont nous donner du pognon pour ceci, pour cela et compagnie. Voilà. Mais il faut pas les croire, c'est de la poudre aux yeux parce qu'ils savent que la populace est en train de se révolter contre des systèmes qui, vous ne savez pas qu'ils veulent plus qu'on ait de napoinsion, ben vous le savez maintenant, d'accord? Ils veulent tout mettre en l'air. D'ailleurs, vous avez pu remarquer lors des vœux que notre drapeau n'était pas mis en avant du tout. Alors, qui c'est? Au niveau, qu'est-ce qu'il y a une réussite?
Voilà, on vous dit clairement au niveau de la populace, si vous voulez gagner la partie, il faut absolument vous remettre ensemble. D'accord? Voilà, c'est exactement la solution au mois de février. Punaise, écoutez ce que je vous dis depuis le départ, les amis. Je vous dis ça avec le cœur. Mettez-vous, arrêtez de rester seul dans votre cocon. D'accord? S'il vous plaît, de grâce, parce que le but, c'est de vous décortiquer les uns derrière les autres. L'union fait la force, c'est une certitude. Moi, j'ai la chance d'être très, très bien entourée, qui fait qu'on peut me faire n'importe quoi, ça ne me déstabilise pas, voyez-vous, parce que j'ai un entourage solide, qui n'est pas là que depuis quelques jours, qui est là depuis des années. Et puis là, j'ai un nouvel entourage en plus au niveau voisinage qui s'est mis en place, où ce sont des gens très agréables, très simples, mais très agréables à la conversation. Voilà, donc c'est ça que je veux vous dire. On peut gagner la partie, il n'y a aucun problème sur le sujet, mais il faut refuser, les amis, d'être les dindons de la farce. Voilà, les amis, je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve bien évidemment dimanche matin pour d'autres aventures. Et puis voilà, et puis la vie est belle, quoi. Je veux dire, voilà, il faut prendre ce qu'il y a et puis mettre des coups de boule, ça fait du bien. Gros bisous tendres, bye bye.